Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce samedi 8 août où nous fêtons les Dominiques. Bonne fête à tous les Dominiques. J'en ai des amis qui s'appellent Dominique. Aujourd'hui, la liturgie nous propose d'ouvrir le livre d'Habacuc au chapitre 1er. Seigneur, depuis les temps anciens, n'es-tu pas mon Dieu, mon Saint, toi qui es immortel? Seigneur, tu as établi les Chaldéens pour exécuter le jugement. Tu en as fait un roc pour exercer le châtiment. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'oppression. Alors, pourquoi regardes-tu ces perfides? Pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste? Tu traites les hommes comme les poissons de la mer. Et comme les reptiles que personne ne domine. Le Chaldéen les pêche tous avec son hameçon, les prend avec son filet et les recueille dans ses nasses, ce qui le comble de joie et d'allégresse. Puis, il offre des sacrifices à son filet. Il fait fumer de l'encens devant ses nasses, car il leur doit une prise abondante et une nourriture copieuse. N'arrêtera-t-il pas de vider son filet de massacre sans pitié des nations, de massacrer sans pitié des nations. Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera mes plaintes. Alors le Seigneur me répondit. Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Chers amis, nous allons découvrir maintenant sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel un chant écrit par Charles Padeau, chant qui est prévu, qui est écrit pour l'Assomption de la Vierge Marie que nous fêterons la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, découverte, et toute la semaine prochaine, vous aurez l'occasion d'apprendre, d'écouter, de chanter une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Et juste après, ce sera le psaume du jour, donc le psaume 9. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer « Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. » Dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Qu'en moi soit faite ta volonté. Oui, voici ta servante, mon bien-aimé. À notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie.
Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie. Élisabeth dans la Judée voit ta cousine vient te visiter. Comment peut-il se faire que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, vive notre mère. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Voilà le chant « Vive Marie » avec notamment la voix de Luciano Wagon et la voix de LM pour cette fête de l'Assomption. Psaume 9. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Il siège, le Seigneur, à jamais, pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion, annoncez parmi les peuples ses exploits. Attentif au sang versé, il se rappelle. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Et nous allons nous quitter en ce samedi sur cette prière de Luce Rose. Moi, je vous retrouve demain en direct sur les ondes de Radio Salaz, qui est accessible aussi sur Internet, pour parler de la liturgie de demain. Cette liturgie où nous verrons Pierre sur les eaux avec Jésus qui était dans la barque. À demain si vous êtes sur Radio Salaz, et puis à lundi si vous êtes sur Arc-en-Ciel. À bientôt. Ma prière de désir. Du cœur de cet arbre majestueux, tu scrutes mon cœur, Seigneur. Le souffle de ton esprit qui légèrement fait frissonner les feuilles, pénètre mon âme, et je ressens en moi des sensations de paix, de calme, de joie. Ton ciel s'ouvre encore pour moi aujourd'hui. L'aura s'illumine tout autour de moi, comme pour protéger ce désir intense de ta présence, tel un manteau de lumière qui délimite ce monde irréel où nous sommes l'un dans l'autre. Délicate et agile, la trace de tes pas, pour cette descente jusqu'à mes entrailles. Je ferme les yeux, goûtant, appréciant, m'enivrant. Mon cœur s'ouvre et t'accueille. Tu es là, tu m'écoutes, mais saurais-je laisser une place à tes idées? Prendrais-je au moins le temps de t'écouter? Apprends-moi, Seigneur, à être disponible. Elle est si belle, ta création, irrésistible, en dedans comme en dehors de moi. Mon regard devient prière et mon intérieur s'abreuve à la source d'eau vive, du flot de tes paroles qui me rassurent et me délivrent. Tu es bien là. Dans le silence de mon être, je ne suis jamais seule.
bien que libre de mes choix, de t'interpeller, de t'aimer et de te prier.